J'ai commencé l'escrime en 1996, quand j'avais 5 ans. J'ai vu Laura Flessel, qui est une grande championne d'escrime, peut-être même la plus grande championne française de ce sport. Elle a remporté les Jeux d'Atlanta et elle est guadeloupéenne. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe et en voyant ça à la télé, j'ai dit tout de suite à mes parents que je voulais faire de l'escrime. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Exact, exact. Pas avoir peur. Voilà. Tu ne toucheras pas, tu ne toucheras pas. Si tu commences à ajouter un mouvement pour envoyer. Ton idée est bonne, pourquoi ça touche pas. Je ne touche pas parce que je fais ça quand l'autre il me provoque. Je fais les mêmes choses sans l'autre. Sans faire ça, je touche. Donc sur une semaine d'entraînement, je m'entraînais du lundi au vendredi, parfois jusqu'au samedi, matin après-midi, avec une demi-journée de repos par semaine. Donc généralement, je m'entraîne 2 heures le matin et 3 à 4 heures l'après-midi. Et c'est ça toute la saison, de septembre à fin juillet. Et on a à peu près 3 semaines de vacances par saison. Donc voilà, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices. Mais on sait pourquoi on fait ça. Le résultat, quand on gagne, il est beau à la fin. L'escrime en France est un sport amateur, dans le sens où on ne gagne pas énormément d'argent. Ce n'est pas comme les footballeurs où on peut mettre des sous de côté pour après être tranquille toute sa vie. Donc très tôt, on est sensibilisé sur le fait qu'il va falloir qu'on fasse des études et peut-être même qu'on travaille à côté, à mi-temps, pour gagner sa vie. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être professionnel, mais jusqu'en 2018, je faisais mes études à côté. Donc je faisais mes études à mi-temps et je m'entraînais à mi-temps. Donc j'ai toujours eu l'habitude d'avoir ce rythme un peu soutenu, je faisais quelque chose à côté. Et c'est vrai que ça m'aide à m'organiser avec la photographie où j'arrive à caler mes différents projets, mes différents travaux en dehors de mes entraînements. Mais oui, voilà, j'ai mon planning d'entraînement qui est réalisé par mes entraîneurs et sur mes créneaux de libre, je place ce que je fais à côté. J'ai commencé la photographie en 2018, à la fin de mes études. Ça a commencé comme un passe-temps, comme un loisir au début. Je fais que de l'argentique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça s'est professionnalisé dans le sens où j'ai des copains qui ont des marques de vêtements, qui ont des magazines, des choses comme ça. Donc j'ai très vite, rapidement collaboré avec des personnes de mon entourage pour ensuite lancer mes premiers projets. Donc j'ai fait mes deux premiers livres photos, je les ai fait en auto-édition. Ensuite, mon troisième livre photo, j'ai été édité par une maison d'édition qui s'appelle Fisheye Magazine. Et j'ai eu des projets d'exposition, de fanzine, enfin j'ai différentes choses qui arrivent, mais ouais, ça évolue un peu comme ma carrière d'escrimeur, c'est un peu exponentiel. Je fais de l'argentique parce que c'est un rapport plus organique, je trouve, à la photographie, et puis aussi parce que je suis feignant tout simplement. Avec le numérique, on peut prendre 10 000 photos qui sont sur une carte mémoire, on peut les retoucher par la suite. Avec l'argentique, je sais que si je fais bien mes réglages, si je choisis bien ma composition, mon sujet, ma lumière, je sais qu'après, la photo elle ressort comme je l'ai imaginé. J'ai pas de post-production à effectuer, c'est ce que j'aime. En tout cas, mes photos, j'effectue pas ou très peu de retouches et c'est vraiment ce que j'aime. Et le fait d'avoir 36 poses sur ta pellicule, tu sais que tu peux prendre que 3 ou 4 photos de tel sujet et je sais en tout cas que c'est ce qui m'a fait progresser en photographie. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce parallèle qui existe entre la photographie et l'escrime. En escrime, on essaie de saisir un moment pour porter la touche à son adversaire. Et c'est vrai que quand on fait de la photographie, on essaie vraiment de figer un moment sur la pellicule, donc de capter un moment. Et c'est vrai que le fait d'être dans cette gymnastique au quotidien dans mon sport, je pense que c'est quelque chose qui me confère un petit plus dans la photographie. Ouais. Quand tu es sportif, c'est compliqué parce que tu as la chance de faire de ta passion un métier. Et les carrières, ça s'arrête très tôt, entre 30 et 37, 38 ans en tirant au max. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'après d'avoir trouvé une passion, on demande de trouver une seconde passion pour faire notre métier. C'est déjà très très compliqué de trouver une passion et d'arriver à en vivre. Et nous, on demande de nous en trouver deux. J'ai la chance d'avoir la photographie comme passion. Donc, grâce à tout ce que je mets en place aujourd'hui au quotidien pendant ma carrière d'escrimeur, j'espère que je pourrais faire de la photographie ma reconversion et de pouvoir vivre de cette passion par la suite.
j'aime pas quand les choses stagnent, c'est-à-dire que j'aime toujours évoluer, que ce soit dans ma vie, dans ma carrière pro escrime et avec la photographie. Donc là, en ligne de mire, j'ai les Jeux Olympiques de Paris en 2024, bien sûr. Et après, dans la photographie, j'ai pas mal de beaux sujets qui arrivent. Je prépare une expo. J'ai de plus en plus de marques, de magazines qui viennent vers moi. Donc voilà, je vois ça comme... j'essaie d'avoir de plus en plus de projets. Alors, je suis encore escrimeur, c'est vraiment mon occupation principale. Donc c'est compliqué de faire tous les projets qui s'offrent à moi dans la photographie. Mais en tout cas, j'essaie de les prioriser et de faire, peut-être pas de plus en plus, mais en tout cas des projets de plus grande envergure. Je te regarde toi. Je m'appelle Enzo Lefort, j'ai 31 ans, je suis escrimeur, membre de l'équipe de France de fleuret. Je suis champion olympique par équipe, double champion du monde individuel, champion du monde par équipe et 4 fois champion d'Europe par équipe.